Non, je dirais simplement que c'était génial. Tout était impec. Du repas à l'ambiance, le discours, tout y était. Franchement super, il ne manquait que le soleil. Eh bien, c'était très 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 bien. Très 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 bien, très bonne ambiance, super décor, et on s'est bien amusé. Et j'ai revu mes collègues et tout, donc génial. Ah mais j'ai beaucoup dansé quand même, hein. C'était chouette. C'était super, merci. Très bonne Sainte-Barbe 2017. Je trouve que c'est pas mal par rapport aux années précédentes. Ça change, le fait de visiter Paris, tout ça sur les quais, c'est une très bonne idée. Ben, je pense que la Sainte-Barbe 2017 est fidèle à l'agence, à savoir toujours pleine d'entrain, pleine de satisfaction, pleine de réussite. Et je suis très content que cette année, il y ait eu une participation vraiment énorme et que les choses soient bien passées. La mise en place avec les chansons des talents de la NGDM m'a très bien plu. Je trouve ça superbe et pour l'année prochaine, je suis ravie que ça recommence. Ah oui, c'était franchement à refaire. Alors moi j'ai trouvé cette Sainte-Barbe extraordinaire, nous avons bien mangé, il y avait une bonne ambiance, les chanteurs étaient formidables, voilà, et on a bien dansé, donc on est ravis d'avoir fait cette balade sur la Seine et je crois que c'est une des meilleures Sainte-Barbe qu'on a passées. Voilà. Oui, 42 ans d'activité, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. On se dit que le temps passe vite, à travailler sans voir le temps passer, en passant par des directeurs différents, des carrières différentes. Très bien, très animé, en plus très chaleureux, j'ai trouvé ça formidable. Alors c'était ma première Sainte-Barbe, et bien qu'on sait s'amuser, qu'on sait prendre du plaisir et que je pense que l'ambiance minière elle n'est pas perdue quoi. Enfin, ils avaient certainement le sens de la fête même si c'est pas drôle tous les jours. Le futur c'est d'inventer aussi une nouvelle forme de proximité vis-à-vis des bénéficiaires, qui ne soient pas uniquement les visites à domicile. Et puis sur le plus long terme, ben, je pense que le moment est venu pour l'agence effectivement de commencer à s'intéresser où elle sera demain avec ses clients actuels, avec éventuellement d'autres clients, donc de commencer à travailler sur des diversifications en fonction de nos savoir-faire autour des personnes âgées et de la gestion de statut un petit peu des moutons à cinq pattes, hein, comme on le fait, comme on sait si bien le faire à l'agence. En tout cas, quand je vois comment fonctionne le personnel, hein, enfin, j'ai vraiment confiance en ses capacités d'innovation, d'énergie pour encore franchir une belle étape en 2018.